Au plus profond des océans, existe un monde mystérieux, les abysses. Dans ce plus grand désert du monde, les végétaux sont absents et les animaux rarissimes. Mais quand, dans les années 70, les océanographes découvrirent les premiers sites de geysers profonds, les quantités phénoménales d'animaux rencontrés dans ces lieux a priori hostiles à toute forme de vie furent à l'origine de nombreuses interrogations. Les bactéries parviennent-elles à survivre dans ces milieux extrêmes? Sont-elles responsables de cette profusion de vie? La symbiose peut-elle expliquer la réussite exceptionnelle de ces animaux ?